chaque coup. Et forcément, quand on va déposer la nourriture dans les enclos, il y a certains loups qui peuvent avoir accès plus facilement à la viande que d'autres. Donc nous, on va déposer plusieurs morceaux en grande quantité. Et alors, on a un gros bac qui arrive là-haut. Et on va dispatcher la nourriture à plusieurs endroits dans les enclos pour que tout le monde puisse avoir accès à son morceau. Attention, on va faire un test. Je vais lancer une poignée en arrière. On a le gros mâle qui est là et le petit mâle qui est là qui vont rester. Tout le monde va partir derrière. Donc ici on a une hiérarchie en pyramide. Alors dans cette hiérarchie, on va avoir en haut de la pyramide un mâle et une femelle qui vont être les dominants, les chefs de meute, les alphas. Sous ces alphas, on va retrouver un couple, un seul loup, qui vont être les bêtas. Alors c'est quoi les bêtas? En fait c'est un peu les assistants des dominants. C'est-à-dire que soit on va avoir un mâle et une femelle qui vont aider les dominants à faire respecter l'ordre, à gérer le groupe, soit on va avoir un mâle seulement. Pendant... sous les sujets, donc alpha, bêta, on a les subordonnés. Alors les subordonnés c'est quoi? Ça va être le reste des loups adultes de la meute en fait. Donc les subordonnés vont tous avoir des gabarits, des caractères et des âges différents. Ouais, on va avoir pas mal de subordonnés dans nos meutes. Donc, même dans la même case, entre subordonnés, on va retrouver un classement entre loups avec des loups plus ou moins dominants et des loups plus ou moins dominants par rapport à d'autres. Tout en bas de la pyramide, sous les subordonnés, on va parfois retrouver un sujet oméga, souffre-douleur. Alors, c'est pas toujours le cas, mais parfois ça va arriver. En fait, l'oméga, le souffre-douleur, il va permettre la stabilité mentale du reste du groupe. C'est-à-dire que, en période de tension, de conflit, de mauvais accès à la nourriture, les loups ne vont pas chercher à se battre entre eux, ils vont se rabattre sur l'oméga. Donc ça veut dire que l'oméga va être harcelé par le reste de la meute, hein. Donc malheureusement c'est pas le meilleur job parce qu'il va être attaqué par les autres loups. Alors pas tout le temps non plus, hein, pendant les périodes de conflit, de tension. Et donc forcément bah, il va être un peu plus blessé, mais il va avoir un rôle qui est très important, c'est-à-dire qu'il va permettre au loup d'être stable mentalement, et donc c'est lui qui va permettre eh bien, le bon fonctionnement de la meute, tout simplement. Bon. Voilà, le harcèlement, ça existe chez l'homme aussi, et l'homme fait ça pour le plaisir. Hein.